Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième manche du championnat 1997 sur le circuit de Buenos Aires en Argentine. On va du coup lancer les qualifications. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, c'est la merde. C'est concrètement la merde. C'est vraiment vraiment super dur. Et ben figurez-vous que là ça va être encore pire. J'ai essayé tous les setups, beaucoup d'appui, peu d'appui, moyen d'appui. C'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Alors, on va faire une bonne séance de qualification, mais vous allez voir que ça va être mais useless, mais totalement. Donc, c'est parti. On va se donner un peu de chance pour essayer de faire un bon chrono. Mais le circuit d'Argentine n'est clairement pas pour nous. J'ai mis tout ce qu'il fallait, hein, les pneus tendres, voilà. J'ai vraiment essayé d'être au mieux. On va essayer de voir ensemble quel temps on peut faire. C'est vraiment... voilà. Là on rentre vraiment dans la... C'était déjà compliqué au Brésil. Oula. Mais là, ouais, bon, ça c'est mort déjà pour ce tour-là. C'est déjà compliqué au Brésil. Mais alors en Argentine, je... Enfin, vous allez le voir, hein, de toute façon. Pour faire un dessin. Pendant une séance de qualification au trafic important, un pilote de Grand Prix doit être un véritable expert. Il doit examiner les 3 ou 4 voitures qu'il précède, deviner de qui il s'agit et déterminer si elles sont susceptibles de l'aider ou de le gêner. Ouais, en parlant de ça, la seule solution, ça serait pour moi d'avoir l'aspiration. Mais bon, l'aspiration... ici, ça va être compliqué. En plus, c'est un circuit assez étroit. Bon, le premier temps sera pourri, c'est un temps de mise en situation. Mais qui est déjà très très mauvais. J'essayais de passer pour toutes les trajectoires, essayer de perdre le moins de temps possible dans chaque virage. Freiner légèrement pour pas perdre trop de vitesse, quand même pouvoir passer. En 1997, une nouvelle réglementation précise que les écuries doivent choisir à l'avance le type de gomme qu'elles utiliseront à la fois pour les qualifications et pour la course, ainsi que les 28 pneus qui y seront utilisés. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Alors pour moi, c'est le meilleur temps parce qu'évidemment, je suis tout seul à avoir fait un temps. Mais ça va pas durer. Il rétrograde en première, seconde. Il passe la quatrième. Il passe la cinquième. C'est un bon deuxième intermédiaire. Pas le plus rapide que nous ayons vu, mais honnête tout de même. Alors, donc déjà, on a 2 secondes de retard sur Trulic et chez Prost. Chaque manufacturier fournit 2 gommes différentes. Et pas chez Minardi. Les écuries doivent choisir. Il y a une 15-6 Trulic. Et vous allez voir que ça va vite déchanter. 3 secondes 9. Pour la course. Elles doivent décider d'utiliser ou non les gommes tendres qui sont plus rapides, quitte à avoir un arrêt supplémentaire au stand. Voilà, Vin a vu 21-362. Je regarde les temps de qualification maintenant. Comparativement à ses temps précédents, il est vraiment plus lent ici. C'est incroyable, ces pilotes ont affaire à une machine qui ne pèse que la moitié d'une voiture de série. Une Formule 1 peut accélérer jusqu'à 250 km/h en 6 ou 7 secondes. J'ai freiné tard, mais ça m'a baissé ma moyenne dans le virage. Alors là, le must, ça serait de pouvoir accélérer à fond dans cette partie. Je peux le faire si j'ai énormément d'ailerons. Mais comme je perds tout derrière... Les temps de qualification maintenant. Malheureusement, il n'est pas aussi rapide qu'il ne l'a été lors de ses meilleurs résultats. Et là, c'est pareil. Normalement, on peut accélérer assez fort si on prend bien la... Voilà, là, on peut accélérer à fond, mais il faut vraiment pas louper la corde. Et je crois que je n'ai pas amélioré. J'ai fait quasiment le même chrono. On va essayer de faire une dernière tentative. Vous avez vu l'écart, hein. 5 secondes 8. Fait augmenter sa valeur d'ici la fin du week-end. Il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de sa meilleure performance. Le plus dur, c'est de voir la limite en fait en sortie de virage au niveau de l'accélération, si on voit toujours à fond. Parce qu'on peut, des fois on peut tourner, on peut continuer et vraiment en accélérant le plus possible. J'ai fait n'importe quoi. Il va falloir que je recommence.
Ouais, j'ai pas eu trop de temps. Il passe la quatrième. Quatrième. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire, mais il a amélioré ses résultats précédents. Ah, j'ai amélioré mon chrono, même en me foirant dans la ligne droite. Incroyable. Il rétrograde en seconde. Il rétrograde en première. On va voir sur la ligne. Ah, j'ai fait mieux. 19-3. Bon, on va essayer de faire une dernière tentative pour voir si on peut faire, on peut améliorer encore. Ça va vraiment être compliqué à l'améliorer, je vous le dis. Des fois, il faut éviter de faire trop fort aussi. Et là, on peut prendre à fond hein, parfois le double. Ok, jetons un œil sur les temps de. Je peux pas, je suis obligé de lâcher un peu. Présent, c'est plus lent que son meilleur résultat au premier temps intermédiaire. Je suis obligé de lâcher. Et Schumacher en 56-6, qui améliore le temps de la pole position pour le moment. C'est un bon deuxième intermédiaire, pas le plus rapide que nous ayons vu, mais honnête tout de même. Honnête tout de même, ouais, t'as 3 secondes 9 de la pole. J'ai pas fait mieux. J'ai pas fait mieux. Bon, allez, on se donne encore une dernière. J'ai vraiment envie ici d'améliorer un tout petit peu, mais. Apparemment, j'ai fait un peu trop fort. Il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de son. J'ai réussi à le prendre à fond. Le gauche-droite. Ah ouais, là c'est passé, mais c'était vraiment juste, et du coup j'ai loupé la corde. Là ça passe. Au deuxième temps intermédiaire, il est un peu en retard sur son meilleur temps. Eh ouais, mais j'ai perdu un peu. C'est dommage parce que j'avais repris de l'avance, et je l'ai reperdu en me loupant dans le pif-paf. Il rétrograde en seconde, il rétrograde en première, seconde. Il passe la quatrième. Bon, ça passera pas. Ouais, je bloque entre une 19-3 et une 19-5. On va faire fin de qualification, on va faire oui. On va revenir à la configuration de la voiture, mais c'est pour avoir la grille de départ entière. Voilà, vraiment, là, je sais pas qu'est-ce que va être la suite du championnat au niveau des. Enfin, je connais les circuits, je veux dire qu'ils vont venir, mais. Est-ce qu'on va avoir plus de mal encore dans les prochaines courses, ou est-ce qu'on va. Ça va un peu stabiliser, on va pouvoir faire un peu comme en Australie, où on a d'un coup réussi à faire un peu mieux. Je sais pas, on va le découvrir ensemble de toute façon. Voilà, donc je suis à 6 secondes 652 de la pole. 6 secondes 652. Je pense que même mon coéquipier fait mieux de 3 secondes. Je sais pas quel setup ils ont. Maintenant j'ai tout tenté, hein. J'ai tenté le 0 aileron, le 20 d'aileron, le 50 d'aileron, le 60 d'aileron, 70, 90. Bienvenue à Buenos Aires sur le circuit Oscar Galvez pour le Grand Prix d'Argentine de cette saison. Ah, ils sont en 1-12. Le circuit ici n'est pas tellement du goût des pilotes et de leur écurie. On va voir s'il y a eu quelques surprises sur la grille de départ, pour l'instant j'ai pas l'impression. Sinueuse de 4 km 200 de long. Nous en avons eu malheureusement la preuve l'an dernier lorsque plusieurs accidents ont eu lieu pendant la course. Ouais, y a aucune surprise. Diniz, Magnussen. Alors, ce qui est important, c'est que mon coéquipier, ouais, il a une 16-945 quand même. Ouais, regardez l'écart que je prends sur les Minardi. Je prends 2 secondes sur les Minardi. Bon, bah écoutez, on va essayer. De toute façon, je l'avais dit dès le début, hein, ça va être une mission très difficile. Sur la grille maintenant, elle se prépare au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Ouais, ma seule chance, ça serait de prendre l'aspiration, gratter 2-3 places au départ. Et une fois que c'est fait, bah essayer de les conserver. On est en temps un peu sur le coup. Ouh là, ouf. Oh, j'en ai sorti 2 d'un coup, quoi. Alors, regardez bien ce numéro 13, vous allez pas le voir très longtemps. Vous allez vraiment pas le voir très longtemps. Propre à la conception de la Stewart, les pontons latéraux très hauts et les entrées d'air profilées réduisent notablement la quantité de débris qui peut s'amasser pendant la course sur la grille du radiateur.
car cette accumulation peut entraîner une perte d'efficacité de refroidissement de l'ordre de 10 à 20%. J'essaie de couper l'aspiration où je peux, hein, mais vraiment, c'est un zigzag constant. Dans le deuxième tour. Il recule un peu. En vrai, je me donne 10% de chance d'arriver à tenir la 12e place jusqu'à la fin de la course. Voyons comment se compose. Enfin, la 13e place. En tête de la course, Michael Schumacher. En deuxième position, Eddie Irvine. Et vraiment que là place, où j'arrive un peu Williams, à reprendre de l'avance. Mais... À la 5e place, Gerhard Berger. À la 6e place, Jean Alesi. Il recule un peu. J'ai bloqué les roues en plus. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut céder du son pour savoir s'ils sont sur nous ou pas. Nous sommes dans le troisième tour. Des fois, j'ai même pas besoin de regarder derrière moi. Ah, je suis complètement loupé. J'ai pris trop l'intérieur. La distance s'accroît. C'est la troisième année que Mika Salo passe chez Tyrrell. C'est un excellent pilote qui mérite vraiment une chance. L'écart se creuse. Ce qui est bien, c'est qu'à force d'entendre les hurlements derrière, ça me fait même plus d'effet, quoi. 13e, Mika Salo. À la 14e place, Damon Hill. Ah ben voilà. Voilà, on s'est fait passer par la Prost. Alors j'ai oublié si j'ai coché les avaries ou pas. Je crois que non, parce que dans le doute, je me suis dit que ça allait être tellement difficile que j'aurais pas à se rajouter non plus ce genre de truc. Parce qu'évidemment, en plus avec les voitures qu'on a, on a plus de chances d'avoir un abandon qu'avec les voitures qui sont plus performantes, parce qu'elles sont aussi moins fiables. L'écart se creuse. Ah, j'ai du mal à conserver mes trajectoires. Nous sommes à la moitié de la course. Et mon coéquipier avec la Tyrrell qui. Placement de la course, à la qui est devant. Place, Michael Schumacher. Ok, juste derrière moi. Eddie Irvine. C'est quoi? Troisième. Hans-Harald Frenzen. En quatrième position. Vous avez vu, même de toute façon, même si j'avais fait 2 secondes de mieux sur mon temps de chrono en qualification, j'aurais été le dernier quand même. Hein, donc, Giancarlo Fisichella. Et c'est vrai que je me dis que l'IA est un peu cheatée, d'une certaine manière, parce que avec mon coéquipier, on a la même voiture, on devrait être dans les mêmes temps, à peu près. Sauf si je fais des chronos, au bout d'un moment, il y a bien un moment que je vais arriver à être dans ces temps. Et là, il y a vraiment trop d'écart, quoi. Il cède du terrain. Allez, on est déjà à mi-course. Je pense que c'est pas le plus agréable à regarder comme contenu, puisque là on va faire qu'essayer de tenir notre position.
Ah! Oh non, mais du coup, je perds tout mon coéquipier. Eh ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais. Du coup, mais c'était tellement évident. Bon, après, on n'était pas dans les points, donc ça changera pas grand chose. Ça a repassé par la Sauber, du coup. Jean, allez-y. On a 14 secondes de retard sur Nakano déjà. Ralph Schumacher, 9e. David Coulthard. J'ose même pas imaginer le record final qu'on aura sur les leaders. Alors, je sais de base que ce circuit aussi, même quand on est en mode normal, c'est peut-être le plus difficile avec Interlagos à gérer. Et aussi, je crois, l'un ring est compliqué. Mais ça fait partie des circuits les plus difficiles contre l'IA. Et ça s'améliore un petit peu normalement après. Je dis un petit peu, parce qu'il reste quand même des circuits très difficiles. Imola en fait partie. Je crois qu'il y a le Grand Prix d'Espagne qui est compliqué aussi. Il semble que les deux voitures se soient trop rapprochées. Il commence à être vraiment incisif là. Il reste du monde derrière. Hein. secondes. On prend presque 3, 4, 5 secondes par tour sur les autres pilotes. Quoi. D'ailleurs on les a vus hein, de l'autre côté du circuit. Il recule un peu. Non, regardez, c'est bon. Ah, il avait bien joué là, je crois que c'était Katayama ou... Michael Schumacher. En deuxième, Marquez, mais... À la troisième place, Hans-Harald Frenzel. Qu'est-ce que lui je fais, c'est pas ça, déconne. Williams, numéro 1. Attendez... La seule solution, c'est ça, quoi. C'est le gros coup de patin. À la cinquième place, Gerhard Berger. Je joue ma vie, là, pour garder une 14e place. Au secours. Ils sont de plus en plus chauds, hein, vraiment. Hein. Je fais tout ce que je peux, là. Il vient de heurter Katayama. Putain ! On joue les autotamponneuses aujourd'hui sur la piste. Eh ouais, j'ai trop à l'extérieur. Alors là, j'ai ma chance. Je peux reprendre. Ouah. Bon, bah allez. Katayama est passé. Ah, il s'effondre. Ah, j'ai tout tenté, hein. Vraiment, pour éviter de me faire doubler, mais... Je peux pas non plus y sortir à chaque virage, quoi. C'est pas non plus intéressant. J'essaie de trouver le juste milieu, quoi. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Et là vraiment, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds parce que j'ai tout à l'heure au début de course, j'arrivais un peu à prendre des écarts à cet endroit. Alors là, pas du tout. Johnny Herbert à la 12e place, Olivier Panis. Ce type de performance aura très certainement fait augmenter sa valeur d'ici la fin du week-end. Ouais, faut le dire vite. Alors. Oh, la Minardi, on la voit déjà plus. Il recule un peu. Sans rire. Oh, mais c'est pas possible. Oh la vache, comme il m'a sorti, quoi. Et voici le dernier tour de la course. Ils sont plus rapides partout, quoi. Vraiment partout, quoi. Il y a alors deux virages où je les rattrape. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que on l'a vu hein, dans la ligne droite, un peu en courbe à droite. Je le reprends énormément de temps. Ça, je perds du temps, mais je le reprends juste derrière. Et pourtant, même là, je perds du temps global. Là, j'arrive plus à être avoir des bonnes trajectoires. C'est bon. Oui, ici, par exemple, d'un coup, pouf, je suis plus rapide que, je reprends énormément de temps, quoi.
mais ça suffit pas. Il recule un peu. Ça me déconne. Regardez à quelle vitesse elle reprend. 15e, Mika Salo. Et ben voilà, bon bah écoutez, on ne sera pas terminé dernier. On ne sera pas terminé dernier. C'est déjà pour moi. C'était le principal vraiment cette course. Au vu des essais libres et des qualifications. Si j'avais pu finir 21e, j'aurais été content aussi. Là on termine, bon. On termine 15e, on est vraiment trop loin. Le gap final, je pense qu'il va être énorme. Je pense qu'on va genre être à 1 minute. 1 minute, non. 1 minute 7. 1 minute 7 de Schumacher en l'espace de 10 tours. Ça fait qu'on a pris 67 secondes en 10 tours. On a pris 6 secondes 7 par tour. Enfin voilà, 6 secondes à peu près par tour. Qu'est-ce que humainement je peux faire contre ça? C'est impossible. Imaginons que j'ai fait les meilleurs chronos tout le temps, tout le temps. Allez, sans les accros qu'il y a eu, je finis à 1 minute quoi. 1 minute, 58 secondes, allez. C'est vraiment, vraiment, vraiment impossible. Du coup, bon, bah on recule au championnat, ça, de toute façon, le championnat, je vais essayer par miracle de marquer 2-3 points après. Monaco, ça pourrait être intéressant, par exemple. Mais, les autres circuits, je sais pas comment on va faire. Hein. Alors, bon, du coup, bon, Ferrari, Benetton, Williams, Tyrrell, Jordan, McLaren, ok. Et on aura le Grand Prix d'Imola pour la prochaine. On verra ce que ça donne, je ne veux pas deviner à l'avance. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le Grand Prix de San Marin. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.